Hare Krishna. Je m'appelle Devarshidas, je suis originaire de la France et habite depuis une dizaine d'années à Mayapur. Il y a quelques jours, Antardir Prabhu, qui coordonne Mayapur TV, m'a demandé de créer une branche française de Mayapur TV. J'ai accepté et nous avons créé une chaîne YouTube qui s'appelle ISKCON Mayapur Français dans le but de présenter au monde francophone différents programmes qui ont trait à la conscience de Krishna et spécialement à Mayapur. Sur cette chaîne, il y a déjà une présentation d'une partie du programme spirituel, tel que Mangalarti, Darshanarti, Guru Puja. Un certain nombre de classes vont être traduites en français, classes de Srila Prabhupada et de différents dévots aînés du mouvement, dans le but de nous faire approfondir l'état d'esprit de la conscience de Krishna. Également, étant donné que ISKCON Mayapur se développe de plus en plus, il est important de connaître qu'est-ce qui se passe ici à Mayapur. Il y a beaucoup de départements importants, tels que la congrégation, l'éducation, l'adoration des Murtis, le Tiwipi bien sûr, l'agriculture. Tous ces grands projets, tous ces grands programmes vont être présentés pour nous donner une idée de qu'est-ce qui se passe ici à Mayapur. La première fois que je suis venu à Mayapur, c'était il y a environ 30 ans. C'était un petit village. Il y avait beaucoup de riz, il y avait peu de bâtiments. Maintenant, c'est devenu une petite ville et ça va se développer. Srila Prabhupada voulait que Mayapur devienne une référence pour le monde. Comment on peut, à partir d'une petite ville, développer tous ensemble la conscience de Krishna? Et c'est pour cela que pour approfondir l'état d'esprit de Mayapur, s'imbiber de l'état d'esprit de Mayapur, il est essentiel d'assimiler l'enseignement de Srila Prabhupada. Et c'est pour ça que sur cette chaîne, il y aura beaucoup de petites vidéos de Srila Prabhupada qui sont déjà sur Vanipedia et qui vont être sur cette chaîne pour nous aider à comprendre plus en profondeur l'état d'esprit de Mayapur. Hare Krishna.